Je dirais, pour nous, intégrer ce type d'événement, le réaliser et le gérer, ça permet d'accroître notre visibilité sur le plan international, mais surtout le fait d'avoir une fédération qui est afro-asiatique. C'est des pays émergents dans lesquels on cible. On voudrait bien développer encore plus et avoir cet ancrage de développement à l'international. Donc, je dirais, on n'est pas dans un sujet, on est plutôt dans un sujet qui est commercial, d'apporter de la valeur et d'apporter, je dirais, du renforcement de relations pour que la SCR puisse rayonner et se développer commercialement. Voilà, donc c'est ça le. On est ensuite. Le fait de prendre la présidence, ben ça veut dire qu'il faut apporter aussi une valeur ajoutée à l'ensemble de cette communauté et apporter, je dirais, un développement nouveau. Ce que nous avons identifié avec le secrétaire général et l'ancien président, c'est de lancer un plan stratégique pour replacer correctement le fer dans son horizon, puisque à terme, il passerait de 15% de part de marché mondial de l'assurance collectée dans les 20 ans qui viennent à plus de 40%. Donc il y a un enjeu qui est important. Pour suivre toute l'actualité d'EcoActu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux.